Cette compétition est placée sous la haute autorité de Madame Yvette Brasier, présidente du comité technique de gymnastique artistique féminine de l'Union européenne de gymnastique. This competition is placed under the authority of Mrs. Yvette Brasier, president of the UEG Women Artistic Gymnastics Technical Committee. Sachez que les épreuves de cet après-midi sont en Eurovision et que les épreuves auxquelles vous allez assister sont diffusées dans l'Europe tout entière. Des gymnastes qualifiés pour le concours général. Please welcome the gymnast qualifying for this event. C'était dans un instant à la présentation des gymnastes qui vont participer à cette finale du concours général. Présentation des gymnastes. À la table de son pour les Pays-Bas, Hectora Dorothy. Pour la Roumanie, Diana Laura Bolina. Pour la France, Lohan Isco. Pour la Slovaquie, Barbora Mokosova. Pour l'Italie, Erika Fasana. Et pour la Hongrie, Kiki Rotti. Au bas asymétrique, pour la Grande-Bretagne, Claudia Fragapan. Pour la France, Claire Martin. Pour la Suisse, Jessica Kachou. Pour l'Arménie, Uri Jebestian.
Pour la Grande-Bretagne, Elisa Doni. Pour la Russie, Maria Karenkova. À la poutre, nous accueillons pour le Portugal, Anna Filipa Martins. Pour la Pologne, Marta Pia-Kuleza. L'Ukraine, Christina Sankova. La Suisse, Julia Steinhuber. L'Allemagne, Polly Haas. Et enfin, les Pays-Bas, Dionalis Supriana. Au sol, pour la Suède, Jonna Attelberg. Pour la Roumanie, Laura Jurca. Pour l'Italie, Martina Rizzelli. Pour l'Espagne, Anna Pérez Campos. Pour la Russie, Daria Spiridonova. Et pour l'Espagne, Enoa Carmona Udano. Gymnaste, vous disposez de 3 minutes de préparation. You have 3 minutes to be ready. For the competition, vous avez une minute avant la reprise. Thank you.
Nous sommes en compétition. Thank you.
son saut, le regard sur la barre asymétrique pour accueillir Claire Martin pour la France. Claire Martin aux asymétriques et à la poutre, la prestation de mademoiselle Christine Sankova, c'est l'Ukraine. La Suisse.
l'accueil de l'espace au sol dans un instant. Anna Perez Campos. Thank you.
poursuivons le plaisir de l'accueil de la Russie, puisque c'est aux barres asymétriques que nous retrouvons Maria Karenko. La conclusion de cette rotation sera ibérique. Très exactement l'accueil d'Ainhoa Carmona Urbano. Que nous concluons la première rotation. Nous allons dans un instant pouvoir changer la grève. On compte sur vous, mesdames et messieurs, pour les soutenir. Une main, l'autre main, on claque, on les soutient. Ce sont vos gymnastes.
Actuellement, c'est Erika Fasada qui est en tête de ce concours avec 14,533 points. En deuxième position, la Suisse avec mademoiselle Stan Gruber, 14,375. Suivi de la Grande-Bretagne, mademoiselle Gowdy, 14,233. Nous sommes en compétition. Nos regards vont se porter sur la barre asymétrique où la France va nous présenter Loan Is. La Suisse sera en compétition dans un instant à la poutre, mademoiselle Jessica Diaci. Dans un instant. Diaci. Did you do it?
Te 30 godzinami jak tak było nie wykręcone. L'Ukraine dans un instant au sol. Kristina Sankova. Et à la table de saut, vous avez applaudi Anna Pérez-Campos pour l'Espagne. Thank you. Pour la mener dans un instant, mademoiselle Guy Guémechia. Fosprey pour l'Espagne. Ainoa, Carbona Urbana. L'épreuve de saut est achevée. Nous restons concentrés sur les trois autres athlètes. L'Italie prépare la barre pour sa gymnaste Erika Fasana dans un instant. Et le grand plaisir d'accueillir au sol une gymnaste classée troisième européenne dans cet athlète. Julia Strenk-Gruber.
avons le plaisir d'accueillir vos assignés la Hongrie avec Kitty Hongrie. La Grande-Bretagne en force dans ce championnat nous présente à la poule mademoiselle Elisa Downey. En préparation également pour le sol, la gymnaste allemande Pauline Trautz. La Hongrie est en course. Nous sommes gâtés de passage d'exception. Ça va continuer, vous l'imaginez bien, pour cette finale du concours général. Pour l'instant, ce sont les Pays-Bas qui préparent les barres asymétriques avec Eitora Dordoti. Un très beau passage, probable. La Russie, à la poutre. Elle est championne d'Europe à cet agrès. Nous allons accueillir dans un instant Maria Karenkova.
la signature des Pays-Bas aux asymétries, vous l'avez vu tout à l'heure, et à l'instant même au sol. Un regard attentif et forcément bienveillant à la poutre, car dans un instant, la Grande-Bretagne sera représentée par Claudia Fragapane. Et le Portugal, avec mademoiselle Anna Filipa Martins. Magnifique conclusion pour cette seconde rotation. Nous laissons un tout petit instant au gymnaste le temps de récupérer de cet ultime passage. Vous allez, comme tout à l'heure, avec bienveillance et amour, les accompagner dans cette seconde rotation.
Gymnastes, vous disposez de 3 minutes de préparation. You have 3 minutes to be ready for the competition. Provisoire après deux rotations avec en tête actuellement le classement provisoire avec 29.066 Maria Kalanikova, Russie. Deuxième avec 28.941 Julia Steinbruder, Suisse. Et troisième avec 28.499 Laura Jurca, Roumanie. Quasi simultanée de Loris pour la France et de Jessica Biaggi pour la Suisse. Vos regards attentifs au bout.
de la piste des Landes au saut, l'accueil de la double championne d'Europe à cet engin. Chiuga, Stagno. La Slovaquie rentre en course à la poule. Barbora Mokozova. Martina Rizzelli, qui représentait l'Italie, a achevé son passage aux asymétriques et sera suivie d'Anna Pérez Campos pour l'Espagne. À la table de saut avec Anna Filipa Martins dans un tout petit instant. Elle est médaillée d'Europe sur cette agrafe. Elle est russe, elle s'appelle Daria Spiridonova. On part asymétrique, bien sûr, le saut. Russie s'élance au bas. Et la Grande-Bretagne, à la poutre, l'attend. Délice à Daoud. Pour le sol. Et Derica Fasana pour l'Italie. À la fin.
son, Tony, Grande-Bretagne, au sol, et l'Italie à la poule. Sera en droit avec Kitty Honti. Les barrels seront espagnols avec Mademoiselle Ainhoa Carmona Urbán. Et le praticable de sol redeviendra territoire russe. Avec Maria Karenkova.
du côté de la poutre, c'est la Roumanie. Qui se présente? Laura. Juria. Des bases asymétriques, pardonnez-moi. Et du côté de la poutre, nous serons avec les Pays-Bas. Eitora Torstotti, dans un petit instant. À suivre au sol. La Grande-Bretagne est au vert pour le sol. Cette rotation finir sur deux morceaux de choix.
Le premier sera la poutre avec une jeune fille qui est en argent en Europe. C'est mademoiselle Diana Lara Boulina. Parfaite prestation dans un instant. Et vous le savez déjà parce que vous l'avez vu, au sol, ce sera l'accueil de Claire Martin pour la France. Claire Martin, la France. Mademoiselle Bulimard, à l'issue d'un fort joli passage. Nous sommes à la troisième rotation, c'est-à-dire que nous allons bientôt connaître la gagnante de ce concours, mais pour l'instant, il faut que vous accompagniez, que nous accompagnions nos gymnastes vers le quatrième accueil.
Après la prestation de la Slovaquie avec Barbara Bokosova qui vient d'achever son passage, l'Italie se présente avec Erika Fasana dans un petit instant. La Russie à la poutre, brillamment représentée par Daria Spiridonova. L'Arménie est au saut. Ouri. Pardonnez-moi, Elisa Daouli pour la Grande-Bretagne. Au saut pour la Russie, vous le savez bien. Beaucoup d'énergie. Comme pour les autres gymnastes, vous avez pu voir aussi le passage au saut de Maria Karenkova. Nous allons poursuivre au saut justement avec la Grande-Bretagne. L'Espagne se présente. Ainhoa Carmona Urbano. Thank you.
Vous avez bien entendu pu apprécier le passage de Claire Martin il y a un instant à la table de saut. Cependant que Kitty Onti vient d'achever le saut. Dans un instant, la Roumanie sera représentée par la toute jeune Laura Jurca. Les Pays-Bas viennent de s'élancer aux asymétriques et se préparent pour le sol dans un instant. Italie, la poutre Martina Rizzelli. Thank you.
L'accueil au sol de Diana Laura Ulima et de Christina Zarkova aux assemblées.
chercher la double prépa. Inutile de préciser qui est la prochaine gymnaste. Conclusion pour ce concours général organisé ici en France, à Montpellier, que ce soit une petite représentante de notre pays qui ait pu avoir cette conclusion. Nous allons procéder à l'accompagnement des gymnastes qui vont quitter la salle de compétition, car nous allons, dès les minutes qui viennent, pouvoir les récompenser en remettant les récompenses, évidemment, les médailles aux trois jeunes filles qui ont gagné le concours. D'ici là, mesdames et messieurs, votre soutien pour accompagner les gymnastes, les applaudir ainsi que les juges. Anna Filipa Martins, Portugal. Un bouquet nommé Désir offre les fleurs aux gymnastes. Un bouquet nommé Désir offre les fleurs aux gymnastes. Septième, Laura Jurca, Roumanie. Sixième, Claudia Pragapan, Grande-Bretagne. Cinquième, Marta Pian-Kulesa, Pologne. Quatrième,
Erika Fasana, Italie. Troisième et médaille de bronze. Third place and winner of the bronze medal. Elissa Dori, Grande-Bretagne. Deuxième et médaille d'argent. Second place and winner of the silver medal. Maria Karenkova, Russie. Championne d'Europe et médaille d'or. European champion and winner of the gold medal. Julia Streng-Gruber, Suisse. La médaille de bronze est remise par Monsieur Jeff Latour, président de la Fédération française de gymnastique. La médaille d'argent est remise par Madame Yvette Brasier, présidente du comité technique et membre du jury supérieur. La médaille d'or est remise par Monsieur Georges Gelzek, président de l'Union européenne de gymnastique. The bronze medal is presented by Mr. James Plateau, French Gymnastic Federation President. The silver medal is presented by Yvette Brasier, President of the Technical Committee for Artistic Gymnastics in the UEG. And the gold medal presented by Georges Gelzek, UEG President. Les cadeaux Little Marcel, les chocolats de la société C'est moi, sont remis par les hôtesses, accompagnées de M. Fabien Haber, maire adjoint chargé des sports de la ville de Montpellier, et par M. Joël Apathy, vice-président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, chargé des sports. The presents, Little Marcel, and the chocolate, C'est moi, are presented by the hostess and Mr. Fabien Haber, Vice Mayor of Montpellier, and Mr. Joël Abati, Vice President of the Montpellier area. Merci de bien vouloir vous lever pour l'hymne national de la Suisse. Ladies and gentlemen, rise for the national anthem of Switzerland.